Bonjour à tous, je suis une élève de BTSA Aquaculture au Lecta du Morvan et je vais vous présenter notre production durable de vairons. Le vairon est un petit poisson de rivière qui vit de 3 à 6 ans, bien connu par nos pêcheurs. En effet, c'est un excellent appât pour pêcher la truite. Ce poisson se vend également sous forme de friture pour la consommation. Tout a commencé par la vidange de l'étang du Châtelet en collaboration avec la Fédération de pêche de la Nièvre, qui nous a autorisé à garder tous les vairons récoltés. Nous avons donc pu sélectionner des géniteurs ainsi que des juvéniles. C'est un total de 41 kg qui a été récupéré lors de cette pêche d'étang. Une partie de ces vairons sera mise en production extensive aux étangs de Corancy généreusement prêtés par les piscicultures du Morvan. Nous avons vidangé, nettoyé cet étang et enlevé tout prédateur des vairons. Aucun aliment artificiel sera donné dans cet étang. Ces poissons seront commercialisés lors de l'ouverture de la pêche à la truite, qu'on récupérera à l'aide de nasses faites à partir de bouteilles en plastique récupérées. La seconde partie des vairons récoltés ont été mis en grossissement au lycée. Ce sont des cuves qui ont déjà servi auparavant. Nous avons séparé les géniteurs des juvéniles et nous avons utilisé des chutes de PVC pour servir de cachette. Le vairon est un poisson omnivore que nous nourrissons actuellement de vers de farine et de pain non consommés par les élèves lors du repas. Des changements d'eau sont effectués toutes les deux semaines pour le bien-être de nos poissons. Nous cherchons à avoir une production contrôlée du vairon. Pour cela, nous avons mis un bac de reproduction en route, dont la filtration est constituée de matériaux de récupération. Nous avons ensuite sélectionné nos géniteurs. Comme on peut le voir, le mâle présente une belle robe nuptiale. Il est rouge à la base des nageoires. Quant à elle, la femelle sera arrondie au niveau du ventre. Nous avons utilisé une auge comportant 3 clayettes. Le vairon est un poisson qui se reproduit en bordure de courant à faible profondeur. Nos femelles vont donc alors pondre dans ces graviers récupérés au lac de Pantière. À l'heure où je vous parle, nous avons déjà eu quelques pontes. C'est un projet d'élevage durable qui va nous permettre de financer notre voyage scolaire. En commercialisant nos vairons lors de l'ouverture de la pêche à la truite en 2023.